Je me pensais que j'ai reçu un jambon. Puis là, je pense qu'on vient de battre un nouveau record. What is my life? La Roche 3000. Nouveau prototype. Tu penses que c'est des produits de La Roche-Posay? Wow. Je pense que c'est un Bluetooth préhistorique. Fait que ça, c'est celle à Catherine. Moi aussi, j'en ai reçu une, elle est ici. Et ça dit à ouvrir avant 17h. Puis il y a aussi du gear pour se protéger. Puis du gear pour briser. J'en vois aussi c'est quoi parce qu'il est allé sur les internets puis il a sûrement vu celle de Jean-Josiane. Non, j'ai vu un groupe de sortu.ca. De quoi? Sortu.ca. Sortu.ca. Bon. On va voir. C'est pas un chat. J'ai pas eu le choix de le voir. Je vais pas sur Facebook si tu veux pas savoir c'est quoi. Ok. Je casse avec ma tête. On va aller dehors pour casser ça. Sans faire trop de granules dans le bureau. Allez, mon tarte. Ouh. Ben, ça, c'est pas une tarte, c'est une quiche. Ah, il y a une tarte. Ouh, oh, jolie tarte. Baby cat, baby tarte. Est-ce que Catherine, tu viens avec moi pour ouvrir les roches? Ouais. Je vais avec mon marteau de martel. Fait qu'on vient de réaliser, Catherine puis moi, qu'on peut faire notre armoirie des martels. Ça, il y a une voile. Défends tes droits! Une roche. Un autre roche. Une martel. Dubitative. Puis une autre martel. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a dedans, Catherine? Le diamant. Hein? Wishful thinking. Moi, je pense que c'est un poisson d'avril. Ou c'est une invitation pour un nouveau bar fait en roche dans une roche. Donc là, il y a ça ici. Puis lunettes protectrices. Mais j'ai déjà mes lunettes à moi. Puis ça, ça doit être soit un sac pour ramasser la garnotte, soit un tablier. Moi, je pense que c'est un sac. Montage. Antoine, qui est à la caméra. Bonsoir. Je suis Mitzi. C'est un sac. Ouh là là. Tu avais raison. C'est une jute. Non, c'est une cape. Non. Collection Jean-Paul Gaultier 2002. Vintage. OK. Fait que là, l'autre chose qu'il y a, c'est le piolet. Piolier? Piolet! Il est très joli. C'est un petit marteau en de style rose gold. Défends tes droits! Ça ne marchera clairement jamais. Tu vois les points des points faibles. Clairement, ça ne marche pas. Non. Fait que moi, je vais prendre la méthode du crisseler par terre. Mais avant, je vais vous révéler quelque chose. Puis en dessous, c'est une bûche. Fait que dans le fond, tout ça, c'est pas une roche, c'est un subterfuge. Oh! 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 God, what is that? Fait que c'est une boîte en bois, c'est pas une bûche. Et à l'intérieur, il y a des f***ing cheese! C'est-tu les fromages gagnants du Canada? Mais pourquoi c'est là-dedans? Affini en gras dans les montagnes suisses! Ah! Oh, share the message! That's why, hein? Eh oui. Oh my god! Hey, Emily! Tu veux-tu être dans mon vlog? Oui! Emily, j'aime ça parce qu'elle est toujours willing. Je veux toujours être dans les montagnes. Pas genre à dire, oui, j'aimerais ça pas être dans mon vlog. Oui, mais gamme. Oh, on a. T'as aussi un ouverture? Oui. Hey, j'ai hâte de voir c'est quoi quand je capote. Hey, mets les lunettes, fillette, dans tes yeux. Non. Ouais, c'est ça. T'as la même chose que moi! Ouais, mais moi j'ai passé par la méthode un peu plus traditionnelle. Ben oui! Un peu plus trap. Ah! Ah, ben hey, c'est une bonne idée pour que le monde parle de ton produit, ça, parce que c'est comme un DIY unboxing all grotte et grotesque. Mais en même temps, est-ce que c'est nécessaire de faire autant de flafla? Parce que moi j'adore le fromage, fait que j'en aurais sûrement parlé pareil, même s'il m'avait envoyé les fromages. Je vais vous dire c'est quoi les fromages. Je viens comme de contredire ce que je viens de dire. Fait qu'il y a un Kaltbach extra corsé, Emmentaler et le gruyère Switzerland, les gruyères suisses. Moi, je suis allée à Emmentaler.
Bon, ben maintenant, il faut ramasser. Hein? Ouais. C'est pour ça le sac de jute. C'est pas la collection Jean-Paul Gaultier. Outfit of the jute. Antoine qui porte le ballot. Oui. Avec. Sous couture. Sous nouveau monde. It's the new cheese. Il est 8h, je suis à la maison et là je vais me faire chauffer mon souper. Puis. Je vais montrer ce que je mange. Eh oui, toujours en mode prep. C'est chou-fleur, une poitrine de poulet teriyaki et de la purée de patates douces que j'avais envie de se permettre dans le micro-ondes. J'ai fait le ménage, mon frigo. Je me sens revivre. C'est si magnifique quand c'est propre. En bas, j'ai des drinks. Ici, j'ai plein de yogourt parce que ça va être pour un contrat que je fais avec yogourt, pour mon blog, un article. Puis mon jambon que je vais faire cuire en fin de semaine. Ici, c'est le coin légumes. Il me reste des choux de Bruxelles encore, puis la purée de patates douces. Et les œufs. Et là, c'est poula. Parce que j'ai un pot dans lequel je mets mes poitrines de poula. Des petites collations. Champers. Puis, oh là, ça, la porte est ouverte. Des petits paquets de laitue tout frais. Puis, ici, j'ai des haricots verts. On va sortir du frigo. J'ai pas fait une huge prep cette semaine parce que lundi, ben, j'étais off. C'était Pâques, le lendemain de Pâques. Puis, demain, j'ai un événement auquel je pense qu'il y a un souper, mais je suis pas certaine. Mais au pire, je me ferai des œufs. C'est le mois d'avril qui arrive. Puis ça veut normalement dire que je recommence à vlogger tous les jours. Je sais pas si je vais le faire parce que je me suis rendu compte à quel point j'étais beaucoup plus fatiguée pendant ces mois-là. Puis j'essaie de penser à ma santé, là, mais je vous promets que je vais faire un max de vidéos, mais ce sera probablement pas à tous les jours, par exemple. Des fois, c'est dur d'équilibrer toutes les vidéos que je veux faire, puis que, aussi le fait que je veux faire des vlogs. Puis je veux pas avoir deux chaînes, mais je veux pas vous tanner. Mais en même temps, je sais que des fois, il y a du monde qui m'écrivent qui disent pourquoi tu vlogs pas autant qu'avant. Mais c'est parce que c'est pas un mois de daily vlog, officiellement. Le dernier, il s'est fait pendant un moment où ce que personne d'autre en faisait, à part les vrais daily vloggers. Là. C'était pas Vlogmas, puis c'était pas Vlogtob. Puis je sais pas, je pense que c'est pas tout le monde qui aime ça. Fait que je veux pas vous tanner non plus. Là. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez là, de mon rythme de parution, puis ce que vous aimez. Puis ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous pensez. Vous autres qui m'écoutez dans le fond, c'est vous autres, hein? C'est pour vous autres que je fais ça. J'ai donné un de mes fromages à ma collègue Eva parce que trois cheese chez nous, c'est dangereux. J'ai aussi reçu du super bon beurre d'arachide. Oh my god, j'aime trop ça, puis je passe à avoir le pot bien trop vite. Puis là, il y a Planters qui m'a envoyé deux pots, puis il est si bon. En tout cas, je vais sûrement en parler dans un billet sur mon blog, là, mais genre, je l'ai mangé avec mon doigt, là. Ah, oh, je suis tellement PMS cette semaine, ça n'a pas rapport. Oula. Je m'en vais manger, ça va être tout pour ce soir. Bye YouTube, c'est fun! Regardez comment c'est insane ce masque-là. On dirait que je joue dans Cornemuse. Oh my god, fait que c'est un soin anti-âge de It's a Skin. C'est passé, j'ai reçu un jambon. Pas. Un jambon. Hey. T'as voulu regarder une vidéo? C'est un jambon.